le 15 octobre dernier, la fin de la prise en charge par l'assurance maladie des tests PCR et antigéniques a été annoncée. Alors, déjà, les tests sont chers, environ 45 euros pour les tests PCR et 25 euros environ pour les antigéniques. À ton avis, quelles vont être les conséquences pour celles et ceux qui n'ont pas pu ou pas su ou pas voulu se faire vacciner? C'est quoi les dangers d'une telle marginalisation en termes de prévention et de vie sociale? Faut déjà dire que ça va quand même concerner plus de 6,5 millions de personnes, d'après les estimations. Donc, ça touche un nombre de personnes important, dont en particulier les gens les plus concernés par les formes graves du Covid. Donc, c'est un risque très important qui va être pris. Et les conséquences, elles sont absolument évidentes. Ce n'est pas qu'il y aura plus de gens qui vont se faire vacciner, c'est qu'il va y avoir moins de gens qui vont se faire tester. Et si moins de gens se font tester, ça veut dire que le risque de généralisation rapide d'extension de l'épidémie existe. Bon. Or, on est quand même, il faut le rappeler, à une période où après une baisse de tous les indicateurs, on constate en ce moment une remontée de cette épidémie, ce qui était un peu attendu, mais qui se confirme dans les chiffres ces jours-ci. Donc la conséquence évidente, c'est que à la fois pour les gens eux-mêmes, ils ne seront pas dépistés, et donc le risque de se retrouver hospitalisé, de faire des des formes sérieuses, va augmenter. Et par ailleurs, les chaînes de contamination ne seront pas détectées suffisamment tôt, avec le fait que ça favorise la relance de l'épidémie. Donc, d'un point de vue de santé publique, c'est une absurdité, mais c'est absolument dans la logique de la politique de ce gouvernement, qui, au lieu de chercher à convaincre et à construire la santé avec la population, n'envisage que soit la répression par les punitions, l'interdiction de sortir, soit sur le plan financier, en obligeant les gens à dépenser pour préserver leur santé. Mais qu'est-ce qui peut se passer, entre autres, plus particulièrement pour les gens qui sont précaires, pour les gens qui sont sans domicile fixe, qui vivent à la rue ? Évidemment, c'est à la fois c'est eux qui sont les plus exposés. On l'a bien vu depuis le début de cette épidémie. Hein, ce sont toutes les premiers de corvée, comme il a été dit, ceux qui au début d'ailleurs n'avaient pas non plus accès aux masques. Hein, c'est tout à fait dans la logique des mesures qui ont déjà été prises, c'est-à-dire que on se rappelle de l'épisode où les masques étaient payants. Toutes les mesures qui sont prises sont des mesures qui ne vont pas dans le sens d'un véritable dépistage de la maladie et dans le cadre de mesures de santé publique. Mais on espère que par la contrainte et la brutalité, parce que les sans-grades sont trop bêtes pour comprendre et pour être capables d'accéder à la défense de leur propre santé, soit on les punit, soit on les sanctionne financièrement. Mais en termes, ça signifie quoi selon toi en termes de vie sociale? Parce que comme les tests donnent droit au pass sanitaire, ceux qui n'ont pas de pass sanitaire, sur leur vie sociale, ça pose aussi des problèmes. Alors, ça va poser des problèmes à leur vie sociale, c'est-à-dire qu'on va encore plus leur interdire d'accéder puisqu'ils n'auront pas les moyens d'aller dans les endroits où ils veulent, sauf en dépensant 40 euros, ils ne le feront pas. Donc, ça va limiter encore leur vie sociale. Et puis, sur la santé, parce que c'est quand même un des scandales du pass sanitaire, c'est qu'il est obligatoire pas seulement pour les soignants, mais il est obligatoire pour accéder à l'hôpital. Et donc, si on comprend bien ce qui va se passer, comme pour aller à l'hôpital, soit il faudra être vacciné, ce qui n'est pas le cas d'une partie de la population, soit il faudra avoir fait un test, ceux qui n'auront pas fait de test ne pourront pas accéder à l'hôpital, donc ne pourront pas accéder à d'autres soins. Donc, c'est encore une manière de limiter l'accès aux soins pour une partie de la population qui en a le plus besoin. Y compris dans le service des urgences, tu penses qu'on demande aussi le pass ? Alors, le service des urgences, en principe, il n'y a pas besoin du pass. Mais qu'est-ce qu'on appelle urgence ?
comme tu dis. Beaucoup de choses. Les problèmes de santé, ce n'est pas seulement l'urgence immédiate. Quand les gens sont dans un état tel qu'il faut les prendre tout de suite, c'est aussi faire qu'ils puissent accéder aux soins courants. Bon, c'est aussi une urgence. Cette distinction entre urgence et non-urgence, elle n'a pas beaucoup de sens. Bon, moi, personnellement, j'ai travaillé en psychiatrie pendant des années. On peut pas en psychiatrie, tous les cas sont des cas urgents. Si on ne prend pas des gens qui ont besoin de soins et qui viennent pour se faire soigner, effectivement, on va aboutir à des situations de crise dramatique. Donc la question de l'accès aux soins, elle est directement posée par cette mesure-là. Alors, tu penses effectivement que cette mesure, ça ne peut pas convaincre les personnes non vaccinées d'y aller ou à la marge simplement ? Non, comme l'obligation vaccinale ne va pas les convaincre. C'est-à-dire qu'on est toujours dans cette logique qu'on croit qu'en réprimant, on va arriver à obtenir les résultats. Mais la santé, ça ne s'obtient pas en réprimant, ça s'obtient en agissant avec les gens. Et ce que ne fait pas ce gouvernement et ce qu'il n'a pas fait depuis le début, c'est d'aller chercher les personnes qui ont le moins de possibilités, parce que dans les gens qui ne se font pas vacciner, il y en a pour qui c'est simplement qu'ils n'accèdent pas véritablement à la vaccination. Bon, et ces personnes-là, c'est pas en les sanctionnant qu'on va aboutir à un meilleur résultat. Donc il y aura pas de meilleur résultat de ce côté-là, bon, ou de manière très très marginale. Par contre, on favorise le développement de l'épidémie. Donc c'est une mesure totalement inacceptable du point de vue d'une logique de santé. Et également, qu'est-ce que tu penses de l'argument avancé par le gouvernement du coût que représentent ces tests et du poids supplémentaire que ça représente également pour la sécurité sociale ? Est-ce que c'est un argument qui est entendable ? Alors, c'est un argument qui est tout à fait entendable, mais qui se retourne contre ceux qui le formulent. Parce que la vraie question, c'est où va l'argent de ces tests ? Effectivement, la sécurité sociale dépense de l'argent pour ces tests. Mais on est dans un système qui a été depuis des années privatisé, et les labos d'analyse, c'est un bon test, et même plus d'ailleurs les petits laboratoires, ça devient maintenant des groupes financiers qui investissent dans les laboratoires et qui sont en train de faire des profits faramineux au travers des tests. Donc là, il y a bien effectivement un scandale, mais le scandale, c'est pas, il ne va pas être résolu en supprimant le droit d'accéder aux tests pour tous, il doit être résolu en s'attaquant à cette question des profits. Bon là, j'ai refait une petite recherche et un journal qui n'est pas spécialement un journal révolutionnaire, hein, qui est Les Échos, qui est plutôt du côté du patronat, titrait au mois de juillet « Le Covid aiguise les appétits autour des laboratoires d'analyse ». Et il expliquait très, très, très clairement que la semaine dernière, donc c'était au mois de juillet, le numéro 3 européen des laboratoires d'analyse a quitté les fonds suisses Partner Group au profit de QT, BPI France et PSP, qui se maintient au capital. Une progression notable pour le groupe qui pilote les analyses de 36 millions de patients par an au regard des 1,6 de valorisation qu'il y a 4 ans. Les tests anti-Covid ont généré parfois plus de 50% d'augmentation des profits de certains groupes d'analyse en 2020, indique le responsable de la banque d'investissement. Les investisseurs considèrent désormais que 10% à 20% de la hausse des profits générés en 2021 liés au Covid seront récurrents pour les années à venir, sans compter la persistance des variants. Donc, je pense que c'est tout à fait clair dans un journal patronal, bon, et que le vrai problème, il est là. C'est-à-dire que le système de santé, ça doit être un système public auquel on accède gratuitement, mais aussi parce que il n'y a pas de profit sur la santé. Donc là, on rejoint toute la question de la privatisation du système de santé qui est en cours et qui a été fortement accélérée par Macron et les siens. Claude, comment réagissent les professionnels à cette mesure ? Là, je pense que les professionnels, ceux qui adhèrent aux mesures gouvernementales, les soutiennent, mais on remarque même que dans les sphères
disons, proches du pouvoir, des conseillers du pouvoir, la mesure est quand même assez critiquée. Bon, parfois avec beaucoup de prudence, parce que ce n'est pas des gens qui vont s'exprimer très ouvertement, mais qui disent très clairement que c'est une mesure qui va à l'encontre de la santé publique. Ça, on trouve ce discours-là, pas seulement chez des gens qui politiquement s'opposent à ce gouvernement, mais même parmi les conseillers relativement proches du pouvoir actuel. Et tu penses que ça pourrait influencer un peu le gouvernement, le faire reculer sur cette mesure ? Non, ben je pense qu'ils sont dans cette logique-là depuis le début, et je vois pas, sauf si les choses, bon, ce qu'on va pas du tout souhaiter, si les choses tournent vraiment très mal. De toute façon, comme ils l'ont fait chaque fois, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont placés devant les catastrophes, ils sont bien obligés de réagir et parfois de prendre des mesures d'urgence, mais sauf ce qu'on ne va pas souhaiter si ça tourne vraiment très mal, je ne les vois pas revenir sur cette mesure-là. Donc là, se repose la question de la mobilisation, qui est la vraie question qui se pose en ce moment. C'est-à-dire que s'ils peuvent continuer dans cette logique qui est non pas aller vers le soin, mais des mesures punitives, bon, et continuer la privatisation du système de santé, ils vont pas changer de cap. Bon, ça se pose pour la question des brevets, hein, puisque la campagne que nous menons autour de la question des brevets, ça se pose sur la question de l'hôpital public avec la loi de financement de la sécurité sociale, qui est en fait une loi de restriction des dépenses, quoi qu'ils disent, sur l'hôpital, hein, puisque une fois qu'on a retiré les dépenses Covid, il y aura moins pour les hôpitaux l'année prochaine qu'il n'y en avait cette année. Hein. Il y aura 2,7% d'augmentation des dépenses hospitalières, alors qu'il faudrait 4% pour maintenir le système actuel. Donc, on est dans cette logique de régression partout, et c'est seulement si les professionnels de santé, mais aussi l'ensemble de la population se mobilise et agit pour les brevets, pour l'hôpital, contre les mesures punitives comme celle qui vient d'être prise avec ces tests payants, c'est seulement par cette mobilisation qu'on va pouvoir les faire reculer. Tu sens un peu un frémissement sur cette mobilisation qui pourrait avoir lieu ? Pour l'instant, il faut bien reconnaître que non, il y a un épuisement dans les services de santé. Il y a un épuisement. Il y avait eu un espoir au sortir de la première vague avec toute cette mobilisation qui s'était développée des professionnels, mais aussi de la population qui avait suivi les applaudissements, etc. Bon, qui a été monté, qui a été complètement cassé par le Ségur de la santé, qui a été une escroquerie extraordinaire. C'est qu'on a donné quelques augmentations de salaire, mais qui ne nous remettent même pas dans la moyenne européenne. Bon, mais pour les moyens pour la santé et pour l'hôpital, il n'y a rien. Bon, et aujourd'hui, la situation des services hospitaliers est plus mauvaise qu'elle n'était il y a un an et demi. Donc, il y a un peu une démoralisation en face de ça. Et il va falloir essayer de relancer les choses maintenant, et à la fois dans le monde hospitalier, mais aussi en faisant que la gestion de la santé soit une question politique dont s'en parle l'ensemble de la population. Merci beaucoup, Jean-Claude, de nous avoir donné un petit peu de temps pour parler de ces questions de tests qui ne vont plus être gratuits. Je te remercie. À bientôt. Allez, au revoir. Merci.